nom est Sylvie Lavigueur. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission dédiée aux amoureux de la photographie. Alors, cette semaine, c'est notre deuxième partie. La première partie que nous avons vue, nous avons parlé de photos, nous avons parlé de caméras, nous avons parlé des tiers et tout ça en compagnie de Zabelle. Alors, bienvenue de nouveau, Zabelle. Comment vas-tu? Ça va super bien. Moi, j'adore ça être avec toi. Oui, j'aime ça. On va te faire ça. On va passer encore un peu de moments ensemble pour que tu puisses un peu m'apprendre comment composer mon image, comment prendre les poses avec un modèle. Parfait. Alors, la dernière fois, la semaine passée, j'étais rendue à prendre comme image un plan serré d'une botte. Parfait. Alors, tu te souviens-tu des trois premières questions? Rafraîchis-moi un peu la mémoire. Vas-y. Oui, les trois premières questions? Les trois premières questions. La trois premières questions, c'était notre sujet. Notre sujet. Parfait, notre sujet. Deuxième, l'éclairage. On a l'éclairage. C'est ça. Notre et sujet troisième, et la composition. La composition, parfait. Et la là, règle des tiers qu'on la doit règle des tiers. Bien la mettre c'est dans ça, la photo. Dans la composition. Fait que là, on a décidé de prendre la botte de ce côté-ci parce que c'était un beau plus bon plan. Oui, on disait qu'on voulait voir un peu l'homme à fleurs. C'est ça, l'amateur. Oui, l'amateur. Oui, on voulait voir ça. Donc, surtout le stand nous dérangeait. Donc là, on a toute notre belle composition qu'on peut faire. Avec la botte, c'est ça notre sujet. Parfait. Donc, je ne suis pas supposée de voir le haut du corps. Non. Donc, on y va non, avec moi, je vais y aller. Je vais me concentrer sur la botte. Je et vais on te disait montrer. Qu'on pouvait photographier vertical et horizontal. Oui, et tu m'as même dit qu'on pouvait y aller aussi... Faire des angles. Des angles. Ça pourrait être intéressant. Puis que le modèle fasse un angle aussi avec... Comme tu vois, oui, la botte son est pied, bien là. Comme ça. Alors... moi, je vais y aller. Ah oui. OK, je viens de trouver... Et là, quand on photographie avec un modèle, on y parle. Oui, puis mais là, la botte est bien, bien positionnée. C'est ça. Parce que je n'aurais pas Vanessa en... Je n'aurais pas Vanessa sur la photo. Toi, tu as le temps d'en prendre plusieurs pendant que moi, j'en prends juste une. C'est l'expérience, hein? On appelle ça l'expérience. Alors, je vais... si tu veux, on va se déplacer. On va s'en venir ici, ce côté ici. Parfait. Je vais te montrer la photo que j'ai prise. Okay. Alors, je l'ai prise en angle. OK. Donc là, le sujet, c'est la botte. Oui. Il faut qu'on voit plus la botte. Donc, elle est fondue un peu. À ce moment-là, j'aurais la botte comme ça, au complet. Au complet. OK. Donc, ma botte, elle est, il faut qu'elle prenne tout le sujet. Ça, elle est digitale, là, tiens. Oui. Donc, quand tu prends ta photo, la botte au complet, on la fait... Regarde la botte ici. On voit parfait. La botte. Au complet. Au complet. Puis c'est ça qu'on voit le plus. Le plus. Donc, ton sujet, c'est ça qu'on voit le plus. Donc, on s'approche le plus possible. On y va vraiment proche. Mais là, je pense que tu as bien compris ce côté-là. Oui. J'aimerais te parler d'un autre concept. Allons-y. Mon petit banc. Ah, le petit banc. Le petit banc, ça fait qui un autre un style de composition. De composition, oui. Oui. Donc là, ça peut être intéressant. Avec le banc, donc si, mettons, Vanessa, je prends Vanessa comme ça, je regarde, je vois toute la belle ombre. Ah, la belle ombre, c'est ça. C'est ça. Donc, on regarde toujours les mains, où est-ce qu'ils sont. Donc, tu peux mettre ta main sur ta cuisse, de côté, plus de côté ici, pour qu'on voit. Oui, c'est ça. Ouais. Vous voyez la différence, la main? Et là, mon sujet, ça va être elle avec la moto. Tu vas prendre jusqu'en avant, là. Oui, c'est ça. Donc, elle ici, tu prends au complet. Ça va être en haut de ma composition ici. Et je vois quand puis même... Puis dans tes règles de tiers, tu vas la mettre... C'est ça. À droite. Et là, Vanessa, tu peux ramener ta main ici. Tu te penches, juste mettre ta main comme ça sur ce côté et avance ton épaule. Toujours des angles. Oui, on avance l'épaule et on tourne la tête vers moi. Regarde la tête vers moi, descend le menton. Parfait, ici, et on descend. Parfait, on me regarde ici avec les yeux. On fait le focus sur les yeux. Ah. On pèse à mi-course, le focus sur les yeux. Et après ça, on refait notre composition. Qui est très, très important. Et là, tu peux t'accoter les deux bras dessus. Et comme ça, encore. Et on recule. On tourne la tête vers moi, Vanessa, s'il vous plaît. Tu te souviens, la main? Oui, la main pour guider le modèle. C'est ça. Parfait. Et on peut des fois faire des grands sourires. Et ici, on sourit! Oui! Parfait. Les yeux vers le bas. Parfait. Et on tourne la tête là-bas. On regarde au loin. Et là, on change notre composition sans couper trop. On garde la tête. Parfait. Parfait. Donc, comme ça, on s'amuse en faisant plusieurs. Fait que je te laisse te pratiquer. Sur le petit banc. Faisant deux, trois ton goût. Oui.
On va y aller pour une, disons, vu que moi, je vais un petit peu moins vite. Ah, OK. Alors, comment est-ce que... Je vais commencer par trouver mon nom. Une autre chose qui peut te déranger, comme la bande blanche en arrière, là. Oui, c'est très dérangeant. C'est sûr qu'on n'est pas dans les meilleures conditions, mais en général, on... Mais disons que si je m'en vais, moi, l'autre côté, si je m'en vais ici... Okay. Là, est-ce que tu la vois, la bande blanche? Je la vois l'autre côté, oui. OK. Tes mains, tu peux les mettre chaque côté de toi. Oui, puis je vois le fil en arrière. C'est pas très bon. Fait qu'à ce moment-là, tu peux te tourner un petit peu encore. Attends, fait que dans le fond, c'est toi qui se déplace, qui fait le tour du sujet. Oui, qui fait le tour du sujet pour trouver la bonne angle, puis tout ça. Tu peux peut-être mettre ta main sur la poignée, ta main gauche sur la poignée gauche. OK. On va voir ce que ça va donner. Tu me regardes? Un petit mini sourire. Oh, ouais. C'est bon, ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le banc, dans le fond? Soit qu'on se monte sur un banc, on y va... Oui, puis le banc, des fois, nous autres, on peut s'en servir aussi. Pour s'asseoir, les... oui, parfait. Ça. Ce banc-là, comme tu vois ici, moi, je trouve ça super beau, cette composition-là. Oui, c'est tellement... Donc, ouais. C'est une belle moto qu'on a. Une autre chose pour la stabilité. Oui. Ton appareil photo, quand, par exemple, on photographie dans des conditions, des fois, qui sont un petit peu extrêmes, en fait, de lumière. Mettons, si on a moins de lumière. Mm-hmm. La composition, ça, c'est une autre chose. En tenant notre appareil photo, on colle nos coudes. Pour se donner de la stabilité. On colle nos coudes pour la stabilité. Et on tient toujours notre appareil en dessous, comme ça, tu le fais super bien. Ah, oui, hein? Tu le fais bien instinct. Donc, on se place et on colle et on fait notre composition. Puis c'est pour ça qu'ici, on est proche de la bague pour pouvoir tourner. OK. Mais ça dépend des... Ouais, bien, moi, c'est pas... Donc là, moi, je m'installe ici. Sur le banc. Et là, je fais ma composition que je veux faire. Donc là, ici, ce qui me dérange, c'est que... Tantôt, je te disais... Mon espace, il faut qu'elle soit du côté qu'elle regarde. Oui, le plus long, là, c'est ça. Là, si je veux photographier ma botte, mm-hmm. OK? Ma botte, c'est mon sujet, mais je veux photographier avec ça. Avec mais le moteur, si les roues, si j'arrête ça sera pas joli. Ici, c'est en plein, ça, ça sera pas ça beau. Ça sera pas beau. Parce qu'on dirait que la botte, elle regarde par là. Faut qu'elle regarde. Tu sais, Isabelle, moi, je trouve que photographier des motos, c'est difficile. C'était... des portraits visage, moi, ça va bien. Des fleurs, ça va bien. Papillons, ça a bien été. Mais je trouve que les motos, c'est difficile. Mais je pense que maintenant que tu connais la composition, tu vas trouver ça moins difficile. Moins difficile parce que si Vanessa, on te demande de venir à côté ici, on va faire juste une photo avec... la moto. Avec la moto. Et là, la moto, tu la traites comme si c'était une personne. Oui. Donc, si je prends ma photo comme ça, est-ce que je vais couper la roue? Non, on ne peut pas. Donc, je prends mon plan si je au veux complet. À ce moment-là, ou je prends ma roue et je la coupe ici. Ça dépend, c'est quoi ton sujet. Si ton sujet, c'est la okay. roue, on va prendre la teinte. Si je prends la teinte, je prends la teinte de différentes façons, mais c'est juste la teinte qui va dans l'appareil photo. Qui va être dans l'appareil. Et là, je peux la mettre en angle. Mm-hmm. Si je prends la teinte comme ça, ça va être plat. Je prends des angles, je bouge mon appareil, mais ça fait des angles. Souvent, on prend une moto en plan large. En plan large. Quand on fait la même chose en portrait, donc en portrait, si je prends un portrait, je prends un plein pied, un plan américain et un portrait. Un portrait. Et un close-up, vraiment close-up, les yeux. Oui. La même chose de la moto. Un plan large. Mm-hmm. Après ça, je peux focusser sur notre super moteur. Oui. Donc ici, je vais sur mon moteur et après ça, ici, on a l'artiste qui a fait un bel œuvre. Oui. Donc, je vais aller focusser sur l'artiste en rajoutant une partie de moto. Okay. Parce que si je fais juste la photo de ça... On sait pas c'est ça quoi. Ça dit rien. Ça c'est l'histoire. C'est ça. Oui. Faut que la photo parle. C'est important. Faut qu'elle nous donne des émotions. Faut qu'il y ait une histoire. Faut qu'il y ait quelque chose, exactement. Si je photographie juste ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, l'histoire, c'est l'œuvre d'art sur la moto. Donc, ça me prend les poignets. Donc, je photographie mes poignets avec mon œuvre d'art. Et des close-up. Close-up. Moi, ce que j'aime, là, c'est tellement beau. Il y a ça ici, puis les marques de commerce. Moi, j'irais en close-up.
Puis on verrait juste un peu en arrière le siège. Fait que tu sais, j'ai pris ça vraiment en close-up, puis j'ai fini. Puis le siège en background. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, quel autre truc que tu pourrais me conseiller, me donner pour la photo de studio? Donc, quand on fait des motos, comme souvent, il y a du chromage. Il y a beaucoup de chromé ici, il est peinturé. Mais si ça avait été chromé, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il ne faut pas se voir dans l'appareil. Dans l'appareil, dans le modèle. C'est ça. C'est ça, exactement. Ça. Donc, à ce moment-là, il faut changer notre endroit. Ça, il faut faire attention à ça. Oui. Quel autre petit détail qu'on devrait faire attention? De toujours faire le tour avec notre œil avant de peser sur le bouton. Parce que là, on observe. Oh, il y a un fil. Fait, donc, je m'installe, mm-hmm. je fais ma composition et là, je fais le tour avec mon œil. Hop, il y a un fil là. Soit que je vais déplacer le fil ou soit que je mm-hmm. me change de position. Parfait. OK. Puis si on rajoute maintenant notre Vanessa, modèle... Vanessa, oui, reviens, Vanessa. Donc, notre modèle, regardez l'éclairage où il tombe dans son visage. OK. Donc, ça, c'est important. Parce que là, si je photographie Vanessa comme ça ici, l'éclairage est bon. Si on y va de l'autre sens... Si je m'en vais de l'autre côté, ici, puis là, je te dis, accote-toi comme ça, regarde l'éclairage ici, rendu au-dessus de sa tête. Oui, son éclairage est plus... Et ça fait un ombre. Un ombre, ça, c'est qu'on n'aime pas ça. Non, ça, c'est comme quand on photographie à midi. Oui. Ça fait des yeux de raton laveur. Qu'on ne doit jamais avoir le soleil qui est en arrière. Bien, on peut avoir le soleil en arrière si on rajoute un flash, mais oui. ça, c'est un autre cours. C'est un autre moment qu'on va discuter. Donc, regardez l'éclairage où il tombe, parce que ça, ça désavantage vraiment les personnes. Fait qu'à ce moment-là, on va dire à Vanessa... Remonter le oui, visage, relève le ça. Visage vers le haut. À ce moment-là, tout l'ombre. Là, c'est parfait. C'est parti. Ça, parfait. C'est la même chose quand tu vas dans un miroir puis tu te dis, mon Dieu, j'ai de l'air bien fatigué. C'est pas toi qui as de l'air fatigué, c'est parce que la lumière est en haut puis là, ça fait toutes des ombres puis là, ça fait tout ressortir les rides. Oui, on veut pas ça. Donc, parfait. Ça, c'est important. Et aussi, quand on fait une photo d'un portrait, c'est que les gens ont un visage ouvert, un visage fermé. Donc, la plus grosse de la lumière, on le met du côté du visage fermé pour ouvrir. Mm-hmm, okay. Donc, ça, c'est des analyses qu'on fait en tant que portraitiste avant de photographier pour avantager la personne. Isabelle, j'ai une fonction sur ma caméra, scène. J'ai jamais vraiment exploré, fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Les gens qui photographient en numérique, c'est un beau mode qui fait tout pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir. On a juste besoin d'être créatif. C'est en plein ça, juste créatif dans ta composition. Mais pour ce qui est de l'ouverture, la vitesse... tout se met automatique. C'est en plein ça. Parfait. Donc là, dans ton mode scène, il y a plusieurs modes. Il y a oui, le mode de paysage. Oui, disons, moi, j'ai mode panoramique. J'ai un mode reposant qui appelle visage d'enfant, paysage net. J'ai le ciel bleu clair. Ça, ça punch. Parce que chaque fonction a une fonction. Donc, spécifique. Le ciel bleu clair, il va puncher. Plus le ciel. Le paysage, ils vont peut-être contraster les couleurs. Coucher de soleil romantique. Fait là, que ça, il va aller chercher va le ciel, les couleurs. La vitesse, ça, il va changer l'ouverture. Wow! Coucher de soleil vif que j'ai. J'ai eau scintillante. Quand tu as des... mettons, tu veux photographier des chutes. Oui. Tu peux photographier des chutes, ça peut être beau aussi. Qu'il n'y ait pas de flou, puis tout ça, puis ça va faire une image... C'est ça. Ça dépend qu'est-ce que l'appareil photo... si mettons l'eau scintillante, ça va peut-être puncher, ça va faire descendre la vitesse pour que ça fasse plus comme une chute. Une chute, parfait. Une chute qui bouge constamment. Oui, écoute, j'ai jamais essayé ça. Il y a le mode sport aussi qui est très intéressant. Oui, j'ai lumière scintillante. Ça, si fait, tu fais ça des... va chercher ça, plus. C'est parce que si, par exemple, tu photographies ton arbre de Noël, ça va faire comme des étoiles. Oui. Fait que tu vas être prête pour photographier Noël. C'est ça, tu marquais nocturne, artistique pour la vitesse, c'est nocturne. Ça? Nocturne, c'est à ce moment-là, quand tu fais des photos de nuit, toujours avoir un trépied.
Oui. Ça, c'est important. Donc, ça te prend ton trépied que tu mets en dessous ici. Et là, c'est sûr qu'il y a la fonction retardateur dedans. Tu sais, quand tu te fais une photo à 10 secondes. Oui, à 10 secondes. Tu prends cette même fonction-là, tu mets ton appareil sur le trépied et là, tu pèses dessus et 10 secondes après, ça va prendre la photo et ça va éviter le flou en bougeant. Ah, wow! Donc, ça, c'est un bon truc. Ça, j'adore ça. Et j'ai beaucoup de scènes portraits. Donc, beaucoup. Ici, on voit portrait, portrait de soir. Nocturne. Donc, oui. Tantôt, je te disais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le flash ou on ne met pas le flash? On est avec la famille, puis on ne veut pas amener les lumières. Puis là, on a un beau portrait devant l'arbre de Noël de l'Hôtel de Ville à Montréal. Donc, on met-tu le flash ou on ne met pas le flash? On veut photographier ton conjoint, par exemple. On ne met pas de flash, mais on met la scène. Scène portrait. On met le mode scène. Et là, le mode scène, lui, il a pensé, c'est qu'il sait que tu veux photographier une personne. Donc, il va mettre le flash automatique pour qu'on puisse voir le flash. Fait tout pour toi. Pour la personne. Et à ce moment-là, de garder la belle ambiance de lumière. Parfait. Alors là, j'aimerais qu'on aille avec notre beau modèle Vanessa et qu'on joue un petit peu avec peut-être le mode scène en portrait. Oui, je sais qu'il y a un portrait maintenant qui est... C'est quoi le prochain? Portrait clair. J'ai portrait... Peau soyeuse. Ça, c'est les genres de filtres là, qu'on aime. Là. Ça, on aime ça. Ça enlève toutes les rides. Là. Moi, je dis, il ne faut pas trop l'utiliser parce qu'après ça, quand on se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît plus. On ne se reconnaît plus. On a un choc. Oui. OK. Là, on est en studio, on fait de la photo, on va y aller en mode scène, peau soyeuse. Donc, tu as mis ton mode scène, ton appareil photo va tout arranger l'éclairage. On n'a pas besoin de notre éclairage. On utilise notre éclairage qui est ici, puis je vais mettre flash et l'appareil photo va mettre un petit... Mon modèle, tu l'as placé beaucoup, beaucoup en avant de la moto. Pourquoi? Oui. Donc, quand on fait un mode portrait, donc l'ouverture va avoir une profondeur de champ plus floue en arrière. Donc, ça fait un flou. Donc, ton modèle, tu vas la positionner loin de la moto et le derrière va être flou. Flou. C'est ça que ça fait. Donc, nous autres, on le fait avec notre appareil photo en manuel, mais l'appareil va te faire en sorte qu'elle met... Elle va le faire. On appelle ça ouverture 5.6, okay. À peu près. 2.8, ça dépend là, de ton appareil. Donc, si tu prends l'appareil photo, si tu photographies ton modèle, puis arrange-toi pour avoir ta moto en arrière, tu vas voir que ta moto va être floue. OK, fait qu'on fait un test. Fait que là, je dis, OK, on y va au soyeuse. Donc, moi, je l'ai avec ça en manuel et j'ai pris mon objectif. Le mode scène... C'est, non, moi, c'est comme, vu qu'il est en manuel, je peux le faire, je programme par moi-même. Ah, donc, okay, j'ai programmé pour que ça soit flou en arrière. OK, parfait. C'est bon. Et là, on pense toujours à notre composition. Ouais. On ne coupe pas les extrémités. On fait notre focus sur les yeux et on change de composition. Et quand on photographie notre modèle, on y parle. On parle. Il faut toujours qu'on parle. Alors, oui, Vanessa, on va y aller un peu plus bas avec les coudes sur les genoux. Peut-être. Oui, parfait, ça, j'adore ça. Ça, c'est bon. Bouge pas, j'adore ça. Oui, regarde-moi, parfait, regarde-moi. De regarder où est-ce que l'éclairage tombe sur son visage. Ça, c'est important. Ah, regarde un peu plus vers le haut. Parfait, ouais, tu vois la différence. C'est bon, hein? On voit la différence c'est de la lumière. Je vais y aller avec un autre. Est-ce que tu vois le flou en arrière? Oui, mais c'est quoi? Attends. Parfait, bouge pas la tête. Reste comme ça. Alors, parfait, c'est j'ai bon. Allé un peu... Donc, si on regarde ta photo... OK. Donc là, quand tu as fait l'autre photo, si on regarde la photo comme ça, là, ici, OK, peut-être qu'il aurait fallu que tu la prennes de l'autre côté. L'autre sens. C'est ça, parce parfait. Que là,
c'est ça, l'ambiance est comme ça. Ici, c'est très bien ta composition parce que tu as mis ta personne du bon côté. Oui. Et là, tu pourrais faire la même chose. Donc, quand on fait la règle des tiers, il y a des jonctions. Oui. Les jonctions comme ça, ça, c'est des points de force. Donc, ces points de force-là, tu peux mettre le visage qui est dans un point de force. Vraiment la mettre dans un point de force. OK. Fait que là, c'est bien. Ici, si on regarde... Ça, c'est toujours le mode. On est toujours en mode de 5. Oui. On pourrait peut-être aller explorer un autre mode. Et là, n'oublie pas d'avancer parce que là, tu as mis beaucoup d'espace en avant de la moto. Donc, notre sujet, on se rapproche le plus possible. OK. Fait que peut-être essayer un celle-ci, la dernière que tu nous as montrée, là. Un petit peu. J'aime beaucoup la dernière. Celle-là ici. Ça. Celle-là, oui. Ça, c'est très bien ici. Si on peut voir... On a tourné, on voit, on vient. Oui, j'aime bien parce que c'est ça, la composition, bien, son visage. Tu as bien guidé ton modèle aussi dans l'éclairage. C'est ça, avec l'éclairage, exactement. Tu peux maintenant aussi faire avec le banc, OK? Donc, le banc, et tu photographies elle comme ça avec la moto. Ah! OK? Toujours avec le même mode. Toujours, on garde toujours le même mode. Comme ça, le flou se fait en arrière automatiquement. C'est ça. Tu vois-tu le flou sur ta moto? Ah! Attends, moi, je vais y aller plus de même. Puis là, on n'oublie pas de le dire à notre modèle qui a fait bien ça. Vanessa, t'es une super Tu fais bien ça, Vanessa. C'est pas facile. Ah, ça, c'est beau, ça. Wow! Une belle expression là-dessus. Aussi, tu peux la faire bouger, la modèle, souvent. OK, on tourne, OK, on tourne, on se tourne, on met la main ici, les mains, on fait des angles. Toujours des angles. Fait que tu fais d'un... Puis, à un moment donné, tu vas trouver ton angle que tu aimes. Puis, s'il y a un angle que tu n'aimes pas, tu le dis pas. Non. Ça, c'est personnel à nous. C'est ça. Quand on va développer nos photos. C'est ça. Et là, une autre chose que tu peux faire, coucher. Ah oui! Alors là, Isabelle, elle va me faire coucher. Coucher sur la vente, puis Vanessa, tu vas te descendre. OK, on va essayer. Puis là, vraiment, tu vas voir le haut du corps de Vanessa dans la moto. Fait que ça va être ton sujet. Mais moi, je vais m'approcher peut-être un peu. Fait que ton sujet, ça va être ça ici, avec la moto en arrière. OK, je vois ce que tu veux dire. Puis elle va te regarder vers le bas. Puis regarde son éclairage, ses yeux, s'ils sont bien éclairés aussi. Ah, wow! Ça, c'est super, vraiment! Fait que des fois, c'est des plans qu'on oublie. On oublie de photographier couché. J'adore ça! On va essayer de quoi aussi? On fait attention à la main, on n'oublie pas de guider sur la main. La main prend trop d'espace sur le visage. La main, replace ta main, Vanessa, comme elle était. OK? Regarde la main, la même grosseur que le visage. OK, fait qu'on va descendre la main regarde, un peu. Tu peux la faire, la mettre la main, mais mettre-la plus comme, tu sais? Ah! Plus comme ça ou comme ça dans les cheveux. Dans les cheveux, c'est beau comme ça. C'est ça. Fait que là, on voit moins la main. Wow! Et c'est vraiment un autre angle. Et on tourne la main. Parfait, oui, c'est bon ça. Fait que tu vois la différence? C'est une bonne différence. Montre-moi donc ta photo. J'ai pris comme ça. OK. Parfait. Fait que tu vois, ça te donne d'autres façons. D'autres façons, oui. Regarde ici ce que j'ai fait comme close-up. Ah oui, c'est beau. Fait qu'on voit pas beaucoup la moto, mais la moto, ça nous donne un accessoire. Une autre chose, quand tu travailles avec des modèles, c'est que tu leur fais amener des accessoires, comme là, elle a porté sa tuque. Oui, elle a amené sa tuque. C'est ça, elle a changé de vêtements, des boas, des chapeaux. Ouais. On s'amuse. Ça, c'est la photo en studio. On peut en apporter beaucoup. C'est ça. Puis ça peut être partout, même en plein air, avec des motos comme ça en plein air. Là, ça se fait super bien. Puis qu'est-ce qui est le fun en plein air, c'est que l'éclairage, on y va en fonction du soleil. Puis on a pas de parasites. Comme ici, on a comme parasite la bande blanche. La bande blanche. Fait que ça fait plus de travail pour après. C'est ça, va falloir aller travailler là-dessus ensuite avec Lightroom ou Photoshop. La post-production. Puis là, c'est quelque chose qu'on peut essayer encore, si tu veux, c'est de la faire coucher le modèle, puis toi, tu la prends par en haut, comme ça. On peut essayer. Okay? Vanessa, s'il te plaît, mets-toi peut-être... Tu vas être à plat ventre, comme ça? Avec, tu sais, comme les mains en dessous du menton, les jambes croisées en arrière. Ouais, parfait. C'est bon. C'est bon, ça.
On va rester comme ça. C'est ça, hein? Il y a du reflet sur le sol. Alors. Et là, quand on photographie comme ça, c'est sûr que l'éclairage comme ça, vu qu'on a fait notre balance des blancs au début, bien là, on va réajuster la balance des blancs, fait que ça va être moins jaune, ça va être les vraies couleurs par après pour la photo. Et là, les mains, Vanessa, plus comme ça, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc, il faut que les mains soient comme ça pour que ça soit mince, les mains. Oui. Merveilleux. Fait que dans le fond, c'est de s'amuser. T'en plein ça. On bouge, d'aller sortir bouge. Son petit côté créatif. On tourne alentour du modèle. On cherche un peu. On fait un dialogue aussi avec le modèle. Ouais. C'est un travail d'équipe. Pour mettre le modèle à l'aise. Des fois, les modèles ont des bonnes idées aussi. Oui. Mm. Dire, ben moi, j'en voudrais une peut-être comme ça ou celle-là comme ça. Parfait. Alors, merci, Isabelle, de tes fameux précieux conseils. Ça m'a conseils. Fait plaisir. Puis plaisir. Oui, ça a été une expérience fabuleuse. En espérant te revoir bientôt. Ben oui, puis j'ai hâte de voir tes super belles photos. Oui, 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 on va se montrer ça. Tu m'enverras ça. Merci à toi. Et merci beaucoup à notre modèle qui a participé aujourd'hui, Vanessa. Un gros merci de ta visite. Voilà ce qui met fin à la deuxième partie. Le défi a été relevé. Je vois JF la semaine prochaine et on va parler de tout ça ensemble.